bad. How about the first day yesterday? Good. Yeah, it was all right. Right next to 100 meters, you get a bit like living like just going to climb in water. Not really, it's kind of cost, but it's like next to the Alors c'est officiellement mon dernier jour du training et comme j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit, je me suis dit que j'allais faire une petite balade, un petit récapitulatif voilà, en partant de l'arrêt du bus jusqu'à Paterson. Donc là en fait c'est toutes les résidences de Chatham où on n'a pas été placé du coup. C'est là qu'on voulait à la base mais finalement c'est vraiment à côté. On avait juste peur en fait pour l'arrêt du bus, mais bon, c'est à 5 minutes donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc par là-bas on a les Commons, donc on est vraiment, c'est les maisons tout au fond, donc c'est vraiment à côté, donc c'est cool. Ça fait vraiment chaud aujourd'hui, on vient de terminer, on a commencé à 9h30, on vient juste de terminer, c'est vraiment horrible. Il est super chaud, donc bref, la petite fontaine de Chatham. Et là-bas, on a le signe, je sais pas si on le voit, hop. Ouais, de Paterson, ça y est. Vraiment à côté quoi. Donc la semaine qui est passée, puisque là on est samedi déjà. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup le reste de notre formation à la Disney University. On a eu nos premiers jours du coup, nous dans le parc Epcot. Je dis nous, moi et ma coworker Claire qui est anglaise, donc voilà. Qui elle bosse au Future World alors que moi je suis au World Showcase. Donc le World Showcase c'est là où il y a tous les pavillons voilà, des différentes nationalités. Donc si un jour j'y vais en tant que guest, je pourrais vous filmer tout ça. Parce que c'est pas sur le temps de travail que je vais pouvoir sortir mon téléphone. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et vu les horaires, j'étais vraiment claquée, ma coloc aussi. Donc on n'est pas vraiment sorti quoi. On a eu deux grosses journées shopping. Donc à mon avis, ça je vous reparlerai en détail ultérieurement. Puisqu'il y a plusieurs outlets dans le coin en fait, donc on en a profité un petit peu trop mais c'est comme ça, on a cramé la paye avant même de l'avoir, donc bon, c'est pas nécessairement malin, mais on commence à être payé, donc voilà. Donc là on est toujours à côté de Chata et de l'autre côté voilà c'est Paterson. Donc il n'y avait vraiment pas de quoi avoir peur en termes de distance, puisque c'est vrai que quand vous regardez sur Google Maps, ça paraît vraiment immense. En fait, tout est à côté, il y a juste Vistaway qui est vraiment super long. Mais Common, Chatham et Paterson, c'est vraiment à côté. Donc voilà. Donc, niveau température, il me semble que j'ai vu en Celsius, c'était genre 33 degrés. Je sais pas combien il fait à la maison. Ça doit être un peu pareil. Ça va me prendre pour une femme à tout filmer, à parler toute seule, mais c'est pas grave. Une fois n'est pas coutume. Donc en fait là après toutes les résidences ça se termine par un cul-de-sac comme ça. Donc c'est pour ça on fait des petits allers-retours. En fait les bus n'ont pas vraiment de terminus, ils tournent en rond. Donc voilà. Et on arrive. Pas personne, youhou. Donc voilà, franchir un poste de sécurité. Et moi je suis vraiment à l'entrée en fait, sur les premiers buildings. Donc voilà, ça ressemble tout à ça. Et c'est pas vraiment immense comme complexe en fait. Il y a la piscine qui est juste là-bas. À 2 minutes même pas. Donc
Je crois que ça se limite, ouais, il y a 16 bâtiments. Ça se limite à ça. Alors que là, Vista West, c'est immense, par exemple. Donc bon, donc moi, c'est cet immeuble-là. Au premier étage. Donc je trouve une clé. Avec mon bordel. Donc en fait là-bas on a un tout petit pavillon au fond, c'est la laverie. Donc on a vraiment toutes les commodités quoi. Il me semble, je sais plus laquelle c'est, il me semble que c'est au Common, je crois qu'ils ont les lave-linges dans les apparts. Mais bon, ça nous coûte 1$ la machine, 1$ le sèche-linge, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est là que je vais vous laisser. Vous avez déjà la vidéo du room tour si vous voulez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'ai hâte de prendre une douche et je vous retrouve pour. Je sais pas quand, peut-être ce soir d'ailleurs au downtown, on va voir. À plus tard.